Bonjour. Voyons la tutelle des ambassadeurs partenaires. Quand la RDA a découvert Pandora, elle... On ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là. Ah ah, Harry. On dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans Na'vi et nous aider à créer ces alliances. Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre ? Ah, allez ! La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Taylan. Directeur Mercer, nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous ? Ah, Harry. Alma. Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, Harry. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant, quand votre clan vous a abandonné. On vous a donné un avenir. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonné. Built upon its land. Mats, mon gars, attends. Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette. Donne-moi ça. C'était à notre mère, pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Harry, ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonné. Menteur! Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît! Manor? Manor, t'enzi. Angang nahu, tam. Sa welunit solanimun. Sa on awful auna kimulunge. Tu n'es pas supposé parler notre langue dans la base. Quand tu cries la nuit, Taylan, tu cries en Na'vi. Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer? Le directeur Mercer nous a sauvés. Taylan. Ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir, ici, sur Pandora. Ah, je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est Na'vi. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. On peut tout arrêter maintenant. J'ai une idée. Aonaka Nekelku. Bon travail, Taylan. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. On les a trouvés! Vous me décevez beaucoup. Nous vous avons offert cette vie privilégiée. Et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Notre place est dehors! Non, vous nous appartenez! Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous?
Nous vous avons sauvé, donné un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes Na'vi. Non ! Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Nous avons oublié les mots. Mais nous pouvons toujours chanter les chants de notre peuple. Arrêtez de chanter. Je vous ai dit de vous taire, arrêtez de chanter! Allez, on rentre chez nous. Aona kane kelku. Je préviens, Harry, pas un pas de plus! Zahuma Taylan. Wenkivane kelku. Arrête-toi! Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines? Nor, on en a parlé. Pandora est un endroit très dangereux. Et on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège? Cortez, je dois vous parler maintenant. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant que ce soit la panique. Quoi ? On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les navis contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. Vous devez récupérer vos affaires et retourner dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Hé, Cortez ! Je m'en occupe. Vous devez y aller. Vous savez quoi faire. Tu seras en sécurité. La sœur va nous abandonner. Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. S'enfuir vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est votre seule chance de survivre. Mais, et vous? Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord?
Tu m'as déjà aidé. Maintenant, c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Je pensais vous avoir perdu, que c'était fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que t'as dormi longtemps, pendant très très longtemps. Wallatikame. Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. La RDA est partie, non? Et tu nous as laissés ici? Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentu. Sarentu. On ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve vous avait seulement enfermée dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille. Ton corps va se réveiller. Est-ce que tout le monde va bien? Je suis là. Nor et Teylan aussi. Tout va bien. Nous sommes sortis! Enfin! Ça arrive pour de vrai! Nous allons tous sortir! Ensemble! Oh, pourquoi tout paraît si différent ici? On peut se dépêcher. La RDA approche. Vous bavarderez plus tard. Vas-y, mange. Tu auras besoin de toutes tes forces. On a trouvé des rations dans la cantine. Il y en a encore. Enfin, je crois. Où est Yefti? Est-elle ici? Alma a dû les envoyer dans une autre cryochambre? Ne me touche pas avec ça. Désolé, chef. J'ai pas vraiment été formé à soigner des navires. Allez, allez, il faut qu'on parte! Qui sont ces gens? Des hommes de Mercer? Mercer est là aussi? Non, non. Ce sont des amis. Nous allons vous sortir d'ici, d'accord? Pourquoi je me sens toute raide? Combien de temps avons-nous dormi? Reprenez des forces pour l'instant. Nous partirons bientôt. Les enfants, ils sont vivants. Cortez, elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. On s'en débarrasse. D'où tu sors ? Sur les navires.
quelqu'un d'autre. Par ici. Est-ce que ça va? Tiens, prends ça. Une radio? Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. T'as pas chômé? Ils te cherchaient, toi, mais ils m'ont trouvé. Tu dois partir, vite! Attends! Quel est ton nom? Solek, l'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Continue, mais en silence. Allez! Je t'entends. Il y a des soldats partout. Ça va aller. Respire. Cherche une issue. Solek, tu m'entends? Où sont les autres? Ils ont réussi à sortir? Je suis en train de les aider. Tu es en sécurité? Pour l'instant, je crois. Je m'occupe des autres. Continue d'avancer. Ça. T'as entendu, Harding? Il faut qu'on les retrouve. Attends, t'as entendu ça? Eh oh, les navis, vous êtes là? On veut juste parler. On a un cadeau pour vous. Ouais, j'aime pas être ici, mais alors pas du tout. Faut éviter ces pyros. J'ai eu chaud. Bas de quartier, que personne ne s'échappe. Le gymnase est verrouillé. Je vais trouver un autre moyen de passer. Fais attention. Il paraît qu'il y a des avis plus grands que les arbres. Ouais, il y a des avis. Vraiment rien à faire par ici. Y a personne sur cette lune pour prendre les choses en main. Y a beaucoup trop de singes bleus sur cette lune. T'as besoin de dire tout ce que tu penses?
Il y a un abruti qui a voulu se baigner. On n'est pas payé à faire la sieste. Ils ont failli m'avoir. Je dois pas rester à découvert. C'est bon, je suis sortie. Bien. Maintenant, on va. Sors, Alec ! Pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. Assassin. Et regarde où ça l'a mené. Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeur, Navi. Seulement des obstacles. Loin. Solek ?
Peut-être que les autres ont suivi l'eau. Encore la RDA. Que s'est-il passé ? Par ici, près de l'arbre. Sors, Blake. Par ici. Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. Ton chez-toi. Tu m'as sauvé. Tu n'es pas en état de te battre. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. Mmh.
Il te faut des flèches. Le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras. Fais confiance à tes sens. Mes sens ? Les humains ont besoin de lumière, mais tu es Na'vi. Perçois la forêt comme moi. Tu vois, tu es ici chez toi. La forêt te parlera, si tu l'acceptes. Laisse tes sens te guider. C'est bon, j'en ai. Maintenant, toi aussi tu peux fabriquer des flèches acérées pour percer le métal humain. Nous devons partir d'ici. Tu peux bouger ? De Dapofet. J'ai besoin d'une gosse. De Dapofet. Je vais te trouver ça. Ne t'en fais pas. Sur le rivage, il pousse près de l'eau.
dois pas rester à découvert. Lake, je n'arrive pas à trouver. Une cause de Dapophet. La plante pousse près de l'eau. Regarde vers le lac. Et concentre-toi. Solek, j'ai trouvé le Dapophet. Je reviens. Il y avait plus de soldats.
apprends vite. Le Dapophet, tu l'as trouvé ? C'est comme ça qu'on se soigne. Tu n'as pas de collier de vie. J'avais celui de ma mère, mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. Attends !
fais quoi maintenant ? Faire. Tu dois redécouvrir tes racines, Sarento. Et avant tout, rejoindre la Résistance, mais prends garde. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Non, non, non ! Ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. La cascade. La base de la Résistance doit être là-haut.